It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy. I'ma turn up, we can turn up, we can take it higher. We can burn up, we can burn up. Hello, j'espère que t'as la forme. Moi, j'ai la forme, comme tu le vois. Je suis rentré de vacances. Donc, j'étais à Dubaï pendant 10 jours. Je me suis régalé. Des bonnes vacances. J'ai pris du soleil, tu vois, en Estonie. Je commençais à être un blanc bec. Et là, tu vois, je suis un peu caramel. Bon, c'est léger, mais ça va. J'ai bien bronzé. J'ai kiffé. J'ai fait des super expériences. Ça a été quand même aussi intense émotionnellement. Je te raconterai pourquoi. J'ai vécu comme une sorte de renaissance à Dubaï. Un truc de dingue. Et comme quoi on est guidé dans notre vie, les gars. Quand tu vas à Dubaï, quand tu vas à Leclerc, tu vois, tu es guidé en réalité. Tout est parfaitement orchestré. Tu n'as pas à chercher le prochain level ou comment il va se manifester. Il va arriver direct à toi, tu vois, sans que tu t'en rendes compte, tu es guidé. Et du coup, voilà, j'ai vécu comme une renaissance à Dubaï. Ça va impacter mon avenir, etc. Donc, je le ressens. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Je t'ai fait des petites vidéos. Coups humains, sur 3 épisodes, c'est du Netflix, c'est de la télé-réalité, les anges, les Marseillais peuvent aller se coucher. Et du coup, je t'ai prévu ça, ça va sortir prochainement, j'ai hâte que tu le découvres. Sinon, oh, Siri me communique qu'il suppose qu'il sera aussi en vacances avec moi. Je te dis pas des conneries, je sais pas si t'as entendu, hein, mais en tout cas, hop. Il y a un petit message que j'ai reçu de ma iWatch. Et bon, là, tu vois pas, bien sûr. Mais j'ai reçu un message de Siri. Il m'a communiqué des trucs dans les oreillettes. Un truc de dingue. Il m'a dit, je suppose que je serai en vacances avec vous. Merci pour le petit clin d'œil. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Il m'a perturbé, ce con, là. Il m'a perturbé. Ouais, sinon, c'est mon anniversaire aujourd'hui. T'inquiète, je t'ai pas oublié, c'est mon anniversaire. Mais tu sais comme je suis, j'aime recevoir, mais j'aime donner. Parce que quand je donne, en fait, je reçois en même temps. Ça, c'est le truc, tu vois. Quand tu donnes, tu reçois. Parce que quand tu donnes, la personne en face de toi, elle est contente, elle est dans la joie. Donc, tu reçois la joie de la personne. Ah, tu savais pas ça? Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, pendant 24 heures, tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo. Tout est open bar. C'est gratuit, tout est free. Tu peux aller te servir, open bar, tu prends les cocktails là et c'est parti, tu vois. Tu cliques sur le lien, tout est gratuit. Les coachings, les programmes, tout est free. Tu m'as regardé ou quoi? Je suis pas Mère Teresa, je suis pas non plus l'abbé Pierre, hein, ma cousine, mon cousin. Non, rien n'est gratuit. Par contre, je t'ai prévu un petit truc sympa. C'est que je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Donc hier, j'étais comme ça, j'étais dans mon lit, en train de dormir le soir, en train d'attendre le jour, tu vois, pour mon anniversaire. C'est comme quand t'es gamin, comme ça, tu dors et tu fais genre tu dors, mais en fait, tu dors pas, t'es en train d'attendre que le lendemain, ça soit Noël, tu vois, pour ouvrir tes cadeaux. Mais je ressentais un peu ça hier soir et une idée m'est venue en mode furtive, là. Tu vois, ça, c'est de la guidance, tu vois. On m'a dit, Greg, tu vas faire un truc que tu fais jamais. Tu vas faire les découvertes et l'activation des missions de vie d'entrepreneur en groupe. Tu vas faire une immersion et tu vas le faire en groupe pendant 2 jours. Je dis ok, vas-y, je le fais. Allez, deal, hop, clac. Normalement, la découverte, la mission de vie, je le fais en coaching individuel, ok. Jusqu'à présent, c'est ce que j'ai toujours fait. Tu veux découvrir et activer ta mission de vie d'entrepreneur, tu prends un coaching avec Greg, tu payes ton billet et tu arrives et tu actives ta mission de vie et derrière, tu matérialises rapidement, ok. Aujourd'hui, exceptionnellement, est-ce que ça va continuer par l'avenir? J'en sais rien, ok, on verra bien. Mais aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de candidater, ok. Je vais prendre une poignée d'entrepreneurs, ok. Je me sens pas de le faire à plus de 10 personnes. Donc, je le pose là, comme ça. Tu vas dans le lien de la description de la vidéo. Tu as un formulaire, tu peux postuler pour faire partie des 10 personnes qui vont rejoindre l'immersion avec moi, ok. Ça sera
en direct live et on va découvrir, on va activer ta mission de vie d'entrepreneur. Ça va te permettre de découvrir qui tu es, ça va te permettre de découvrir ce que tu viens foutre sur cette planète, ça va te permettre de découvrir quel est ton super don, comment tu vas l'incarner dans ton business, quel business tu dois créer pour matérialiser dans la fluidité. Ça va te permettre de voir les blocages qui t'empêchent, les blocages émotionnels, tu vois, les trucs que tu dois transformer en toi qui t'empêchent d'être aligné à qui tu es. On va droit au but. Et ensuite, tu matérialises rapidement. Voilà ce que je te propose. C'est ma façon de contribuer. C'est ce que j'ai envie de t'offrir pour mon anniversaire. Donc, voilà. Bien évidemment, le prix aussi sera beaucoup plus accessible que mes coachings privés. On sera en groupe. Voilà. Il y aura aussi l'énergie du groupe qui fera partie de l'activation de ta mission de vie. Donc, voilà. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je suis inspiré. Je suis motivé. C'est parti. Ça se fera en mai. Commence à candidater. Mais voilà, comme on dit, avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, tu fais ce qui te plaît. Donc voilà, si ça t'inspire, tu candidates. Je serai ravi de regarder. Voilà, c'est moi qui vais choisir, bien évidemment. C'est moi qui vais choisir. Remplis bien le formulaire, ok ? Ne me fais pas une blague. Parce que même si on est en avril, ok ? Ne me fais pas une blague parce que ça va être vite réglé. Et sinon, voilà, tu seras rappelé. Une personne se chargera de voir si tu es la bonne personne pour faire partie de cette immersion. Moi, je préqualifie au préalable. Et voilà, tu vois, tout le monde est content. Sinon, voilà, j'ai hâte de te partager les vidéos de Dubaï, de mon séjour. Je me suis régalé. Et tu vois, un truc à te partager aussi par rapport à ça, très important. Avant de faire le montage, tu vois, parce que j'avais vraiment envie de faire le montage. Enfin, j'avais envie. Ça me faisait flipper parce qu'en fait, moi, je suis pas un monteur, tu vois, à la base. Je te fais des montages en mode rapide, tu vois. Et quand j'ai ouvert mes fichiers, que j'ai vu tout ce qu'il y avait à vérifier, les dossiers, les vidéos, les photos, j'étais en mode ouf. J'ai plus envie de monter, tu vois. Et en fait, ce que ça m'a appris comme leçon, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à éditer, à assembler les choses, ben, je me suis régalé, tu vois. J'ai passé 3 jours à faire ça. Et en fait, je me suis régalé. Donc, ça m'a appris la leçon de quand tu anticipes trop, quand tu te demandes ah, comment je vais faire, comment je vais m'organiser, il y a trop de choses, tu es dans la peur, là, tu te mets dans l'énergie de merde et du coup, une énergie qui ne permet pas de créer quoi que ce soit. Alors que quand tu commences par le premier truc, tu fais le premier pas, tu vois, tu commences ton montage, tu fais le premier assemblage, tu vois, et bien ensuite, tout devient fluide en fait. Et ensuite, après, tu prends goût et c'est comme l'appétit vient en mangeant. Après, tu continues, tu fais ton montage et tu vois pas les heures passer. Et au final, à la fin, tu es content de ce que tu as fait. Donc, tu verras, le montage, c'est pas un truc de professionnel non plus. Mais franchement, je suis content de moi. J'ai kiffé. Il me plaît à moi. Donc, c'est le plus important. Et puis, voilà. Sinon, je me souhaite un excellent anniversaire. Tu vois, je vais kiffer. J'ai commencé la journée en mangeant un gâteau, un gros gâteau que ma queen m'a préparé. Ça ne va pas être le seul de la journée apparemment. Et sinon, voilà, je te souhaite le meilleur d'ici là. Je me souhaite un super anniversaire, le meilleur pour l'avenir, le présent, l'avenir, la santé, l'argent, tout y quanti. Et sinon, voilà, je t'attends dans le formulaire, dans le lien de la description de la vidéo pour pouvoir découvrir et activer ta vraie mission de vie d'entrepreneur pour que tu ailles un peu plus vite que ce que ça a été jusqu'à présent. Ok ? Faut se le dire, en ce moment, c'est un peu lent. Voilà, salut. You're gonna eat the whole cake? Yeah. Yeah, I'm hungry. Can you imagine? There is four stages.